Salut, salut à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'avant-match Racing Club de Lens, Nîmes Olympique, match comptant pour la 34e journée de Ligue 1 en direct en exclusivité sur Multisport au Stade Bollard de l'Hélice à 15h. Les statistiques de ces deux clubs, le Racing Club de Lens toujours invaincu en championnat, 5 victoires, 7 matchs nuls, et les Nîmois en 12 matchs, 4 victoires, 4 nuls, 4 défaites. La précédente journée, qui s'est jouée pour le Racing, qui déplaçait au stade Francis Leblay à Brest, score final, un but partout. Et de son côté, les Nîmois recevaient les Strasbourgeois, score final, un but partout. Les Nîmois, sur ce championnat, 18e, 31 points, 8 victoires, 7 matchs nuls, 18 défaites, 32 buts marqués contre 60 buts encaissés. Et Nîmes, c'est la pire défense de ce championnat. Le meilleur buteur pour les Crocos, Ripart, 9 buts. Et le meilleur passeur décisif, Zinedine Ferrat, 8 passes décisives. Les absents des deux équipes, côté Nîmois, Briançon, Depré, Cubas et Pablo Martinez sont absents. Et côté Racing, deux cas Covid, Gaël Kakuta, vous avez bien pu voir dans la semaine, qui a été positif ce mercredi, Cheikh Traoré. En phase de reprise, Clément Michelin et Florian Sotoka. Celui qui a une blessure de gêne en entraînement, Cheikh Doucouré. Et les suspendus, Francaise, Simon Banza et Steven Fortes. Et Lilian Alice reprendra donc ce poste d'entraîneur de la place de Francaise pour ce match contre Nîmes. Ma petite compo que j'aimerais bien avoir par Francaise pour ce match. Jean-Louis Lucas dans les buts. La défense, Eidara, Badé, Jonathan Grady. À droite, Jonathan Klaus. À gauche, bien évidemment, c'est Silla qui prend ce poste de la place de Ismaël Bourra, que moi je préfère avoir Ismaël Bourra. Mais d'après que j'ai pu voir sur les réseaux et la coupe probable de l'équipe et de Sylvain Charlet, ça parle de Silla titulaire, donc je mettrai Silla titulaire. En milieu de terrain, il y a Nick Cahuzac et le retour de Sekou Fofana, que j'ai hâte de ce retour malgré qu'il a été testé positif. Idem pour Jonathan Grady, donc ça me fait plaisir de les revoir titulaire après à Facundo Medina. Après, je peux bien mettre Medina, mais d'après que je vois, ça part de Eidara en défense centrale. Donc, je mettrai comme ça. Un rôle de numéro 10 en absence de Gaël Kakuta, qui lui a été testé malheureusement positif ce mercredi. Et ben, je mettrai le petit David Pereira d'Acosta à la place de Gaël Kakuta. Donc, j'ai hâte de le voir pour la première fois titulaire, nous montrer encore plus de ses talents, ben, de tout ce qu'il a, et à montrer à Lilian Alice et à Francaise de quoi qu'il est capable et qu'il peut prouver au sein de l'effectif lensois. Et là, la pointe de l'attaque, Inatus Ganago, associé à Coratin Jean. Donc pour ce match, les amis, ce match pour moi, il faut obligatoirement gagner avant d'affronter la semaine prochaine et encore la semaine suivante deux gros matchs. Et donc c'est pour ça qu'il faut s'imposer ce week-end. Pourquoi pas récupérer la 5e place de l'Olympique de Marseille et revenir, ben, qu'on gagne ce point d'avance contre les Olympiens. Donc pour moi, il faut gagner. Après Nîmes, eux sont dans leur survie de son côté pour leur maintien avec
Nantes et Lorient. Donc, ni eux ni moi, ils ne vont pas lâcher. Mais je reste confiant pour ce match, les amis. Je sens une petite masterclass de David Pereira da Costa faire une petite passe décisive. Et c'est pour cela que je nous vois une victoire 2-0 avec un but d'Ignatius Ganago. Et je vois bien pour ça, pour son premier but au Racing, Loïc Badé sur un corner de Jonathan Clauss. Donc Badé, je le vois buteur. Et je vais dire passeur décisif, Jonathan Clauss pour Badé et David Pereira da Costa pour Ignatius Ganago. Mon prono débute à 0 et mon quintet, les amis, pour ce match en 1, Jonathan Clauss, en 2, Ganago, en 3, Fofana, en 4, Badé et en 5, Pereira da Costa. En commentaire, n'hésitez pas à me dire votre prono, votre quintet et votre compo et surtout votre ressenti du match. Mais moi, comme j'ai dit dans ma vidéo, je reste confiant. Et quand on dit qu'on a un vrai groupe, on a un groupe. Nos joueurs, ils vont gagner demain sur notre pelouse à domicile. Et puis, pourquoi pas t'imposer pour la première au poste d'entraîneur de Lilian Alice. Ça me ferait plaisir. Et donc, c'est pour ça que j'ai trop hâte de le voir demain sur le banc. Petite pub à Fun Humour Passion sur Messenger du Racing, ainsi que à Damien. Merci beaucoup pour tout que tu fais pour la chaîne. Merci beaucoup mon pote pour que tu fais sur la chaîne, que tu mets de cette fois dans les intros, dans les affiches. Donc merci beaucoup Damien. N'hésitez pas dans la description. Vous avez sur Instagram 1-18 club-18 Nord. Un club en or sur son Instagram en description. Bon voilà les amis. Et puis l'envoi un jour, l'envoi toujours. Ciao, c'était Thibaut. Et les amis, le Racing contre Nîmes, ça va gagner. Et le Racing récupérera la 5e place. Allez, lance !